one of the more revealing moments, Brigitte, because and I think people around the world, Great Britain, France, Belgium, and even in the United States, are having a hard time coming to grip with what radical Islamists believe. And the question is, how many of them agree with them? I think the numbers are too great that we must contend with this radical view. The numbers are too great, and they are basically following what the Quran said. Prophet Muhammad divided the world into two camps, Dar al-Harb, the house of war, and Dar al-Islam, the house of Islam. Dar al-Harb is the house where non-Muslims or land that has not been conquered by Islam yet is called. And that's what he is referring to. And this is exactly what the Muslim Brotherhood tried to preach all over the world. You know, in their plan, which you and I discussed on your radio program yesterday, they wrote a plan, a 100-year plan for radical Islam to infiltrate and dominate the West. In the counter-terrorism circles, this plan became known as the Project. Now, they wrote the Project in 1982. Since 1982, we have seen the radicalization after the implementation of the plan in Europe. They're trying to do the same thing now in the United States. They wrote the plan for the United States in 1991 and began implementing it here. Now, what we are seeing is radicalism starting at university campuses by the Muslim Student Associations. It started in Britain, like he was radicalized. It's starting right now in the United States as well. The frightening thing, and I was bringing this up with Juan Williams, now our own White House is re-examining their relationship with this radical group, the Muslim Brotherhood. All right, so everyone who's been murdered in the name of jihad and their holy war, the infidels, he does believe this. This is what's frightening. If this is not fanaticism, you know, on a scale like fascism and Nazism, I don't know what is. This is pure Islamic fanaticism, and this did not start with Blackwater, and this did not start with the CIA. Under the banner of Islam, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. There is no God greater than Allah, and Muhammad is his prophet. Muslims murdered Christians in Egypt, Copts in Egypt, Christians in Lebanon, Armenians in Turkey, Hindus in India, Jews in Arab land. All this happened before they ever turned their eyes to the United States, before we ever went into Iraq or Kuwait or anywhere else. This is Islamic radicalism awakening worldwide, driven by the Muslim Brotherhood to bring back the Islamic Caliphate or the Empire and put the world under Islamic Sharia law. Their true colors are shining, and it's time for the world to wake up, especially for us here in the United States, Sean, and learn a lesson of what's happening in Europe and what's coming to the United States. Well, I would think the White House may want to reconsider their re-examination of the relationship with the Muslim Brotherhood. This is sick, miserable, and evil. And he is, and I hope people can wake up to the fact that what's really going on here. Brigitte, thank you for being with us. Thank you. Je ne suis pas un chef d'État laïque parce qu'à partir du moment où on est musulman, on ne peut pas être laïque. En réalité, tous les chefs d'État du monde, musulmans, je ne dis pas arabes, ne sont pas des chefs d'État laïques. Et quand ils disent qu'ils veulent être laïques, je dis qu'ils ne sont plus musulmans. Car le droit musulman nous colle à la peau, qu'on le veuille ou non, tant sur le plan du droit public que sur le plan du droit privé. Nous avons souhaité, à quelques jours après l'application de la loi sur l'interdiction du voile intégral dans l'ensemble de l'espace public, lancer un message fort au président Sarkozy pour dire que les femmes qui portent librement le niqab dans la rue n'ont pas peur de cette loi. Et elles le prouvent, puisqu'elles sont, comme vous le voyez, sur une terrasse de café, notamment le Fouquet's, cher au président Sarkozy, pour démontrer d'une part qu'elles n'ont pas peur, et que d'autre part, si les forces de police venaient à leur dresser une amende, qu'elles la paieraient généreusement, notamment grâce au fonds de soutien de défense et de la laïcité que nous avons mis en place et qui est doté d'1 million d'euros. Oui, absolument. L'islam politique a déclaré la guerre à l'Orient depuis les années 30. Et depuis quelques années, il a déclaré la guerre à l'Occident. Donc il faut prendre les menaces de l'islam politique très au sérieux parce qu'en général, ils font ce qu'ils disent. À l'assaut de l'Occident, deuxième moitié de votre titre, ils sont pas à l'assaut des territoires. Ils veulent pas conquérir le territoire des États-Unis. Vous dites là-dedans, c'est quoi? C'est des valeurs qu'ils veulent nous imposer? C'est une façon de penser et de vivre qu'ils veulent imposer? Oui, absolument. C'est-à-dire qu'après avoir conquis des États arabes et musulmans, maintenant ils sont à la conquête, ils sont suffisamment confortables et bien assis pour aller vraiment à la conquête de l'Occident, c'est-à-dire répandre leur idéologie totalitaire en Occident.
Beaucoup de radicaux en France empêchent les terroristes de passer à l'action en disant « Nous allons peut-être gagner les élections dans les municipales dans les années à venir, ne nous faites pas d'action terroriste. » Ils utilisent les moyens qui sont à leur portée, c'est-à-dire les moyens démocratiques, pour essayer de changer les structures sociales et politiques ici même en Occident. On l'a vu avec la tentative des tribunaux islamiques en Ontario, puis on le voit couramment dans notre vie de tous les jours au Québec à travers les accommodements religieux. Bon, est-ce qu'on le... vous dites on le voit couramment quand une étudiante complètement voilée veut passer un examen dans une école secondaire ou dans un collège, c'est arrivé je pense au collège Saint-Laurent l'année dernière. Est-ce qu'elle pose un geste politique? Oui, absolument. Je veux dire, le port du voile islamique et le port de la burqa, donc du voile intégral, sont des gestes politiques que ces militantes posent pour tester les limites et les capacités de réaction de nos sociétés occidentales. Parce que quand ça se produit, elle se pose en victime. Elle se pose pas en personne qui milite pour une cause. Elle se pose en victime d'une situation qu'on leur permet pas. Vous dites, ils sont pas victimes de rien. Ils sont à l'attaque pour tester un système. On en vient en Grande-Bretagne à ce documentaire de la BBC qui secoue le pays tout entier. Des milliers d'enfants d'écoles confessionnelles apprennent comment appliquer les châtiments corporels contenus dans la charia. Sur place, Jacques Cardo, Stéphane Guillemot. L'enseignement de la charia en Grande-Bretagne, c'est une réalité que démontre ce reportage. Les journalistes se sont d'abord procurés les manuels scolaires de 40 écoles privées musulmanes. Ils les ont piochés dans les bibliothèques concernées avant de faire analyser ces 12 années de programme scolaire par Neil Robinson, un théologien expert en lecture du Coran. Dans ce livre pour élèves de 15 ans, par exemple, on explique quelles sont les punitions à appliquer en cas de vol. Un voleur aura la main coupée pour un premier crime et le pied tranché pour un deuxième crime. Les enfants apprennent aussi comment couper les membres. Et pour les actes homosexuels, la sanction est encore plus dure. La punition, selon ce livre, c'est le meurtre ou l'exécution. Il peut y avoir débat sur la façon d'appliquer cette sentence. Cela peut être de brûler vif, de lapider ou encore de jeter la personne du haut d'une falaise. Dans cet ouvrage, des enfants de 6 ans doivent compléter des cases afin d'écrire que les non-musulmans sont condamnés à périr dans le feu de l'enfer. Swedish authorities have their hands full in the southern city of Malmo with an explosion of Muslim immigrants. 90% of them unemployed, many angry, taking it out on the country that took them in. The most liberal asylum laws in Europe mean a city of 250,000 is now 25% Muslim, changing the face and the idea of what it means to be Swedish. Do you have 1,000 pupils in a Swedish school? Yeah. How many are Swedes? Two. They are not a part of the Swedish society, so to speak. It's difficult for them to get into the society. And yet they are the most rapidly growing segment of Swedish society, outsiders who are already inside, posing a challenge to legendary Swedish tolerance. Mais pour cet imam, il ne faut pas s'arrêter à cette image un peu naïve. Derrière leur façade religieuse, l'établi ont aussi une ambition politique. On peut venir ou pas? Ils disent qu'il faut d'abord éduquer la population. Et après avoir éduqué la population, le régime de par lui-même deviendra islamiste. Puisque en général, un gouvernement est souvent représente surtout la mentalité, voilà, la mentalité, on va dire, moyenne de la société. En fait, eux, ils disent, si on arrive à avoir que des musulmans pratiquants, nécessairement l'État deviendra musulman. Oui, bien sûr. Donc on voit là une volonté vraiment d'utiliser les outils démocratiques pour les retourner contre les démocraties. C'est ça ce qui est à mon avis le plus dangereux et le plus pernicieux, c'est qu'on leur donne sur un plateau en or finalement des outils pour les retourner contre nous et pour pervertir les valeurs de la tolérance, de l'ouverture contre la démocratie de façon générale. Assorti aux couleurs du drapeau, dans le plus grand magasin IKEA du monde, on a même créé un uniforme intégrant le voile. Mais ce n'est pas tout. Fin 2008, à la télévision suédoise... La Suède, c'est bien, mais tout n'est pas bien en Suède. On a vu 3 jeunes musulmanes voilées aux commandes d'une émission à une heure de grande écoute. C'est notre nouveau. C'est notre programme en Suède.
Halal, quand nous faisons la télé, c'est forcément halal. Une des anciennes présentatrices, aujourd'hui avocate. Mais pas question pour elle de plaider sans voile pour gagner une hypothétique respectabilité. Le port du voile est un droit en Suède, que cela plaise ou non. Pour l'écrivain Carl Hamilton, il est impératif de maintenir les règles communes de vie en société. S'il n'y a pas de limite à la tolérance, bientôt, il n'y aura plus aucune tolérance. Militant Islam appears to be spreading its influence to more and more European towns and cities. Here in Brussels, a Muslim woman journalist, using her veil as a disguise, infiltrated the Muslim community and found so many radicalized young people, men and women, ready to use violence in their cause. Here in the Molenbeek district of Brussels, more than a third of the residents are Muslims from North Africa. Hinn spent 2 months living and researching here under Muslim extremism. Suddenly we're told we're unwelcome. This man tells us to stop filming, warning us in no uncertain terms that he'll get violent if we don't get out of here right away. The bystanders are also upset. We move on in an attempt to defuse the situation. But the man follows us, and a short while later we have another run-in with him. He tells us to take away the camera. He tells us we have no rights and can only film if he allows it. Belgian laws do not interest him. The man is confident that it is he who controls the neighborhood. Molenbeek's police station is located hardly 100 meters away. Many police officers are afraid that the state no longer wields authority here, at least not the sole authority. They know that Islamists view Molenbeek as subject only to Muslim law. On dit l'islam est une religion. Je veux bien. C'est certainement une religion, incontestablement. Mais à partir du moment où Mohammed a quitté la Mecque pour émigrer vers Médine, il est devenu la cité sainte, à ce moment-là, l'islam a toujours lié le religieux au politique, le religieux au social. Religion et société sont devenues inséparables. Et ceci dure depuis 14 siècles. Toutes les sociétés musulmanes ont été des sociétés intégratives, globales, globalisantes, totales, totalisantes, pour ne pas dire totalitaires. In 10 years' time, you will have essentially these countries with a semi-Muslim political character. If you'd said on September the 10th, 2001, if you'd said to most journalists that the relationship between the state and its Muslim community would be the principal domestic political dynamic in Britain and France and Scandinavia and the Netherlands and Germany, people would have thought you were nuts. But in 5 years, we've grown to accept that. Pitch it down the road. Another 5 or 10 years, you'll have Muslim political blocs in Parliament, and the Muslim vote will be more significant than the black vote is in this country. Ma priorité, c'est la défense de la liberté de toutes les femmes en France, et aussi le fait de ne pas accepter que les femmes qui portent le voile intégral soient enfermées chez elles, n'aient pas accès au territoire français dans l'ensemble parce qu'elles sont citoyennes françaises. Dénoncer les lois qui violent le droit européen, comme celle-là, qui est du voile intégral.